Petit souci de porter pourtant à l'extérieur. Nous avons quand même de bons retours. Minas avec la caméra de France 3 est en piste. Alors attention, il y a encore des opérateurs hein, sur la piste, donc on y va tranquillement. Et ensuite, on suit le quart de Minas et on fait des dépassements. Restez groupés devant la caméra. Faites un beau sourire dans votre casque intégral avec visière fermée. On n'est pas en course, hein. On roule tranquille. Laissez-vous, attendez la caméra. Restez groupés. Damien, tu attends. On fait un tas. Carte biplace, ralenti pour te laisser rattraper. Caméra de France 3 Région qui est en train de filmer donc le vidéoman sur la piste dans un kart biplace. On dépasse, on fait le dépassement dans le virage. Non, ils sont en train d'entrer. Retour en piste. On a une deuxième séquence à faire. On retourne en piste. On y va tranquillement. Hein. On n'est pas là pour piloter. Donc, j'ai passé le quart de place à la droite. Du caméraman pour être sur la vidéo. On en profite lors de cette démonstration de régler la hauteur de l'antenne qui permettra de compter les tours lors de l'épreuve d'endurance. C'est bon, on va se faire homologuer. En roulant. Tranquillement dans les stands. Oui, bonne journée. Au revoir. Non. Je ne sais pas. Qui c'est? C'est un particulier qui habite à Saint-Avertin, à côté de Tours. 22. C'est le Guimand, donc c'est mon cas. C'est un premier cas, c'est un cas pour adultes, mais pour adultes de taille raisonnable. D'accord, j'ai compris le message, à tout à l'heure. Et maintenant, c'est pas grave, pour la photo. Sorry. S'il s'assoit dans le baquet, quand il se relève, il emmène le kart avec. Merci Thierry. N'oubliez pas les balances. N'oubliez pas le kart. Bien. C'est super agréable à conduire. Ah oui. La position est désagréable, mais... Alors il va falloir réduire la hauteur de la plaque érigée. Pour passer en dessous des 100, donc vous mettez un mètre en rond. 29,4, maxi 1 mètre, maxi. C'est 115.
Donc ils sont rentrés au stand.